autre série qui peut s'arrêter cette nuit entre les Wild du Minnesota et les Blues de Saint-Louis. Alors, trois matchs gagnés par Saint-Louis, je dirais assez facilement, j'ai trouvé le Wild très 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 faible. On s'attendait à avoir un grand Dubnyk, leur gardien, et pas du tout. À l'opposé, on a vu un Jack Allen en feu. Il a fait le premier match, plus de 50 arrêts, un match incroyable. Et on l'a vu pendant ces trois matchs continuer les séries d'arrêts assez spectaculaires. Des attaquants, une attaque qui a pas trop mal marché pour Saint-Louis, avec un Schwartz qui a 3 points. Tarasenko n'a pas marqué, mais il a fait deux passes, dont un jeu qui a amené à un but assez spectaculaire. Non, vraiment pour moi, la grosse surprise de ce premier tour, les Minnesota Wild qui continuent dans les playoffs comme ils avaient fini l'année, assez difficilement, avec un Dubnyk qui n'est pas très, très en forme. Le match ce soir à Saint-Louis, je vois bien Saint-Louis gagner et donc finir la série 4-0. Ça serait un exploit, à mon avis. Et ça serait vraiment récompenser leur entraîneur, Hino, qui a pris l'équipe en route. Donc pour ce soir, une belle victoire de Saint-Louis qui mettrait le Wild en vacances.